lost. Salut la King Family, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau glitch. Et oui les amis, ce glitch va vous permettre de sortir de Hijacked, le bateau, on va sortir du bateau et même marcher sur l'eau. Non vous ne rêvez pas, c'est parti. Pour la première partie de ce glitch, vous aurez besoin de faire comme sur mon glitch voler sur code mobile. Si tu ne l'as pas vu, va la voir, c'est essentiel pour la suite. Tu peux aller la voir en cliquant juste sur le i en haut à droite. Et maintenant vous savez tous comment faire cette technique pour voler, il vous faut le pic de gravité. Tout simplement parce que lorsque vous aurez fait ce glitch, il faudra utiliser le pic de gravité pour aller sur la coque du bateau. Et une fois arrivé sur la coque du bateau, je vais vous expliquer comment faire pour la suite. Et n'ayez pas peur les amis, rien de bien méchant, comme d'habitude. Et d'ailleurs si t'as toujours pas rejoint la King Family, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater les prochains glitchs. Et maintenant que vous aurez réalisé les étapes du glitch, comment voler sur Call of Duty Mobile, vous avez tout simplement à monter votre Dragonfire et orientez-vous vers la coque. Comme ça lorsque vous sortirez, vous n'avez plus qu'à pic de gravité dessus. Et une fois arrivé ici les amis, restez sur la coque, ne vous approchez pas de la map parce que vous risquerez de tomber sur la map. Et comme vous pouvez le voir ici les amis, on peut pas directement aller dans l'eau, aller voir le petit coucher de soleil. Non les amis, il y a des murs invisibles. Et c'est là les amis qu'on va essayer de faire une étape très très importante pour ce glitch. Alors collez-vous contre un mur invisible, vraiment restez-y collé, hein. Il faut que votre joystick soit vraiment collé sur ce mur. Et ce qu'on va faire c'est tout simplement franchir ce mur invisible. Et pour ça on va le grimper, mais je vous préviens, il est archi haut. Mais la vue qu'on aura vaut la peine. Et pour le grimper c'est très simple les amis. Comme je vous l'ai dit, le joystick doit être vraiment collé vers le mur. Et là vous sautez, vous sautiez, vous appuyez plusieurs fois sur le bouton sauter. Allez-y, 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 allez-y. Vous allez commencer à remarquer par vous-même que vous prenez de la hauteur. Et c'est un bon signe. Mais surtout les amis, essayez de rester vers la coque. Ne reculez pas trop sous risque de tomber par terre. Mais aussi en aucun cas n'enlevez votre main gauche les amis. Il faut vraiment que le joystick soit vraiment contre le mur, sinon vous risquez de tomber. Et pour pas vous faire perdre de temps, ce que je vais faire c'est une avance rapide, mais allez-y les amis, de votre côté sauter, 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 ça peut prendre 2 minutes. Et une fois arrivé vers le haut, vous avez vu que la vue vraiment vaut la peine. Et vous saurez que vous êtes à peu près vers le haut du mur lorsque le H de l'hélicoptère commencera à disparaître petit à petit. Ça doit tout simplement vous motiver. Et dans ce cas les amis, arrivé ici, vous allez continuer à sauter, toujours le doigt, hein, toujours le joystick, et là vous allez tomber. Et on a franchi le mur les amis. Et là courez, 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 courez vers le soleil, et là vous êtes libre les amis. Vous êtes en dehors de Hijacked, et surtout vous marchez sur l'eau. Et surtout ne restez pas sur le même endroit sous risque de vous noyer comme moi. Et si t'es arrivé jusqu'ici, écris sauter dans les commentaires, comme ça je saurai qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce glitch vous a plu, si c'est le cas mettez un gros pouce en l'air comme d'habitude. Et surtout, surtout, surtout les amis, n'oubliez jamais que les vrais kings viennent de la King Family.